Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour la nouvelle mise à jour, le nouveau DLC qui est arrivé donc avec les boîtes de nuit. Je me rappelle même plus du nom du DLC, c'est incroyable. Avec la nouvelle boîte de nuit, donc avec tout ça, je vais vous dire vite fait. Donc c'est plus précisément c'est nuit blanche et marché noir, voilà. Donc voilà, donc pour présenter le DLC, tout d'abord je vais commencer par acheter une boîte de nuit. Donc voilà, donc celle-là, 1 700 000, bon, c'est pas très cher. Donc le style, alors le style, comme ça, alors, ouais, pourquoi pas. C'est pas trop mon style. Ah, comme ça, c'est peut-être déjà un peu plus stylé. Ouais, comme ça, on va partir là-dessus. Moi, j'aime bien. Comme ça, j'aime, ouais, c'est classe. Éclairage, bien sûr. Lire la vidéo. Bon, on va aller voir. D'accord. Stylé, ils ont préparé des petites vidéos pour voir c'est quoi les éclairages. C'est vraiment nice. C'est magnifique. Et celle-là, on va lire la petite vidéo. On va tous les voir, les essayer. Franchement, c'est stylé, hein. Moi, dès que ça marche avec des traits comme ça, ça marche hyper bien, quoi. Ça marche super bien. C'est beau. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. On en a 4, donc on va se décider. Ah ouais, mais là aussi, et franchement, c'est hyper dur de savoir ça va être laquelle, hein. La meilleure. Ouais, non, vous me direz, c'est moins... C'est des panneaux LED, c'est... Oh, quoique, ça flash bien. Mais ça fait pas assez, non. Non, c'est... Non. Celle-là, les panneaux LED, c'est sympa, mais sans plus. Alors, celle-là. Ah, oui. On a quelque chose. Ah ouais, 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 ouais. Si on touche à quelque chose, là. Avec des lasers, mais non. Ah, celle... Oh, bah oui, si, si, celle-là, ouais. Elle pète de ouf. Quoique, elle est peut-être un peu simple. Je sais pas du tout. On va revenir sur celle-là. Alors, la dernière et la première m'attirent énormément, en fait. C'est celle-là, elle est kiffante. Oh putain, et c'est magnifique, ça. Mais dommage qu'on n'a pas les petits lasers. Avec. Ouais, non, celle-là est magnifique. Franchement, celle-là. Donc, on va prendre celle-là. Alors, nom. Nom de la boîte. Omega... GFungis, Paradise, Studio Los Santos, Maisonette Los Santos, The Palace, Galaxy, Technology, Tony's Fun House. Technology, Galaxy. Ah, Galaxy, ça me plaît bien, Galaxy. Avec les éclairages, ça peut être plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, ajoutez jusqu'à 4 sous-sols supplémentaires à votre entrepôt. Oh, oh, le bouffe-pognon. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Déjà un sous-sol, moi je dis c'est pas mal. Non, 2 sous-sols. Ajoutez jusqu'à 3 sous-sols supplémentaires à votre garage du véhicule. À votre garage, 10 véhicules par étage. Moi je dis j'enlève ça. Et la priorité au véhicule, quoi. La priorité au véhicule. Il y en a tellement, en fait. Voilà. Danseur, bien sûr que oui, on en veut. Alors, ah, bah, 2 femmes, c'est ce qu'il y a de plus. D'accord. Mm-hmm. J'aime bien comme ça, avec mes LED ça ira bien. Neige carbonique. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on arrive à 3 046 000 $. 3 046 350 $. C'est énorme. Franchement, ceux qui ont vraiment pas de thunes. Oh, j'ai qu'un. Oh là là. Placer repère. À direct, on peut se rappeler. Revenir à la carte. Ok. Donc là, normalement, j'ai un placeur, j'ai placé un repère direct, voilà. Donc on a eu un monsieur, il s'appelle Tony. Excellent choix, cet endroit pourrait devenir vraiment spécial. Viens quand tu peux. De Tony, de la part de Tony. Ok. Bah, en plus, on était juste à côté. Bon, malheureusement, il pleut, c'est pas très joyeux. Pour une boîte de nuit, ça, l'ambiance n'est pas là. Malheureusement, elle n'est pas là. Bon alors, par où c'est qu'on rentre? Bah, par là, je suppose. Ok, bah écoutez, je vais laisser ma voiture là pour l'instant. On va sortir. On va aller là. On va rentrer plutôt que sortir. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, la gueule de la boîte. Par contre, l'extérieur de la boîte n'est pas magnifique, hein. Franchement, ça donne pas envie d'y aller, quoi. This is meant to be a live event, people. We need lights. Where's the light man? Brian, give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This
is Famer Shame Live with your host, Laszlo. He does that, and then... Shit! Ow! And then I run on, and everybody claps, and then I go, it's time to introduce the guests. And then, where's my assistant with the list of guests? Hello? If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, your friend's here. All right, thank God. Brilliant, that's a wrap. Piss off, Laszlo. What? This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. But Tony... Oh, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to what we do best. Playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots. Tony, please, I'm desperate. Listen, I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not sit here and watch it. We need kids, young people, midlife crisis divorcees, whoever's gonna bring the party. And we need them wasted, and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits! I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Okay. Get me a DJ! But, Tony, I'm the DJ. You're not a fucking DJ. You're a dick. A dick? But, Tony, I got you a bunch of celebs. I'm gay Tony. The gay Tony. I'm the celebrity here. Me and her. But if you want to bring some famous people into the club, we will host them gracefully. Because I am favor and grace, and I am back. I got an investor. We're running shit again. I need a DJ. I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Tony, can we hug? Yeah. Please. Sure, yeah. You shouted at me a lot. All right. And Tony? Yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Okay, I'll bear that in mind. All right. Find me English Dave. English Dave? He's a DJ, the booker. He's in the book. All right, come on, boss. Let me show you around. All right, listen, big guy. Work your list of famous people. We're opening very soon. Okay, you got it. All right. I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room. Lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know, I'm just saying. Whatever you need. I know nothing. I mean, I know everything, but... Make your way through there. You got a computer in there. You can bring another staff down here. Your whole entourage. Whatever you need. You sure know how to set that up. And upstairs... Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Oh, and the name, Galaxy. Let's go. Amigo! Que hey. Pasa? Hello, Dave. This is my new investor, English Dave. Safe skin. Respect. So how you been, Tone? Long time, no power! Hi, it's a kite, Dave, and cursing fate. And you? Oh, never better, old son, never better. One love. Nice bag. Oh, no, thanks. Suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. A proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this, paradise? Don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know, who know music. Club music. What you need, old son, is a European. Someone with savoir-faire. Someone who can bring in the business. Let me see. No, not him. Not, To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. How much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. Well, you gotta get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know Ritual Sacrifice? Festival out in the desert. Gotta borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer.
Ok, bon. Nouveau contact. Alors, les cinématiques sont de plus en plus longues et deviennent de plus en plus redondantes. C'est. Waouh! Par contre, sur la carte, il y a où l'ordinateur là? D'accord. Faut que j'aille à l'ordinateur. Les cinématiques. Pardon? Les cinématiques, elles sont hyper longues, mais genre un truc de fou quoi. Donc ouais, donc là c'est les nouveaux bureaux. C'est les bureaux, ok. Franchement, le bureau plutôt stylé, j'ai bien fait de prendre comme ce style là. Moi j'aime bien, avec le bois et la pierre, ça me fait rappeler mon bureau dans la Maze Bank. Dans la Maze Bank. Si, bah si, je crois que j'avais pris dans la Maze Bank avec celui-là, je crois. Enfin bref, avec le nom Galaxy de la boîte. Franchement, j'ai bien choisi mon nom. Galaxy, c'est super. Bon, allez. Alors, allez sur l'ordinateur, ici. Alors, inscrivez-vous en tant que gros bonnet PDG ou président d'un club de motards pour accéder à l'application. Ok. D'accord, pas de souci. Et là, c'est quoi ça? C'est le garage? Je crois que c'est les garages, ça, non? Je suis pas sûr. C'est à peu près ça. C'est. Ouais, aussi, c'est ça, c'est les garages. C'est. Ouais. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est. Ouais, ok. Ça, c'est les garages, je crois. Ok. Et bah, franchement, on va s'arrêter là-dessus. On aura vu un peu la boîte. Je vais revenir plus tard. Parce que. Quand elle sera en fonction. Parce que là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment en fonction. Ça a le temps encore de changer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Par où on sort? Merde. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour présenter les véhicules. Parce que oui, il y a bien des véhicules aussi quand même. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il m'a fait peur. Ouais, il y a lui qui est là. Mais lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? T'es qui, toi? Ah, t'es un ouvrier. Ah, j'ai eu peur. D'accord. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais vous présenter les véhicules. Par contre, je sais toujours pas où on sort. Je ne sais toujours pas par où on sort. C'est quoi ça? Bah, c'est tout simplement ici qu'on sort. Ah ouais, c'est l'entrée. Putain, c'est chelou par contre l'entrée. C'est vraiment chelou. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis bon game. À la prochaine. Et puis, bye tout le monde.